Aujourd'hui, des courgettes farcies au berbizou, un fromage de brebis de Randeux, non loin de La Roche, avec des épinards. C'est un truc veggie total. Donc, puisque c'est veggie, on va vous faire bouffer de l'herbe, on va en boire aussi. Alors, on va goûter un truc très particulier, un projet qui s'appelle Torpa. Alors, celle-ci, c'est la 60. La Torpa est une bière qui a été initiée par la brasserie Cursus à Liège. Et l'idée, c'est de montrer ce qu'est le houblon et quel est son impact sur la bière. Vous avez trois types de Torpa. Et dans la 60, il y a un houblon. Alors, c'est super bien expliqué. Tout est là. Ici, il est en canette. C'est une collaboration avec une brasserie qui s'appelle Belgo Sapiens, qui se trouve à Nivelles et qui est la seule craft, la seule petite brasserie en Belgique aujourd'hui capable de faire de la canette. Et la canette, on aime, on n'aime pas, c'est que ça a un goût un peu différent, hein. Mais donc, pour revenir à mes boutons, vous savez tout. L'origine du houblon, c'est l'Alsace. Vous avez le niveau du IBU, International Bitterness Unity. On s'en contrefout, mais c'est indiqué. C'est 60, donc 64, 6 degrés d'alcool. L'origine des malts, vous avez du malt Pilsen en majorité et du Munich en minorité. 6% de Munich, donc 94% de Pilsen. Pilsen se trouve en... Allez quoi? En... Tchéquie. Bon d'accord, ok. C'est pour ça qu'on dit une pils quand on boit une blonde. Parce que ça vient de Pilsen. Et c'est de là que venaient les premières blondes. Parce qu'en fait, à Pilsen, il y avait des grottes, enfin il y a toujours des grottes d'ailleurs, dans lesquelles on conservait la glace en hiver, ce qui permettait de faire des bières de basse fermentation en maîtrisant un peu le froid avant que la technologie industrielle ne permette de le faire. Que vous dire d'autre? Je sais pas, j'arrive pas à dire, j'ai pas mes lunettes. Idéal, température aux environs de 6 degrés. La couleur blonde avec 13 EBC, Eric Boschmann Company, et 6,6 SRM, sexuellement réminiscent, minable. Et ensuite, les arômes des fleurs fraîches et de l'herbe coupée. À fumer peut-être. Donc, je m'en vais ouvrir cette canette. Canette. Ah, j'ai peut-être secoué la canette pour la regarder, j'aurais pas dû. Malin ce qui t'arrive, c'est malin ça. Hein. Encore l'air d'un abruti, moi. Ma canette en plus. Ah, ben voilà, mon essuie-tout est là. Voilà. Comment j'ai ruiné cette magnifique cuisine qui nous accueille. Un coup de bière. T'as pas tort de boire de la Torpa. Moi, j'aime pas la bière à la canette. Hein. Dans un verre, je suis trop vieux pour boire la bière à la canette ou à la bouteille. La bouteille, je trouve ça dégueulasse, quoi. C'est vraiment, on a toute la carbonation qui remonte. C'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Même quand j'ai fini de tondre la pelouse, c'est pas la peine de me regarder. Je sais, les hommes savent pourquoi, mais soit je ne suis pas un homme, soit je ne sais pas pourquoi. Et je m'en fous. Alors, ah, j'aime bien le nez. C'est très joli, ça. Alors, je trouve personnellement que 6 degrés, c'est un peu froid. Parce que ça a tendance à casser un peu les arômes. J'aimerais bien qu'elle remonte un peu en température. Le houblon est très marqué ici. On a vraiment l'amertume. Mais l'intérêt de cette amertume, c'est que la courgette, c'est plein de flotte, c'est juteux. On va avoir du gras avec le fromage. Donc, on a une préparation assez riche. Et ici, l'amertume va couper tout ce gras et tout ce côté qui pourrait être aqueux, comme disait Johnny avec la courgette. Ou comme disait le piano. Ils sont bien ces petits gars de la Cursus, ils font quand même des trucs intéressants. Et cette Torpa, c'est un bon truc aussi pour s'éduquer. Parce que comme ça, on peut choisir un niveau de houblon différent. On peut comprendre si on aime les bières très houblonnées, moyennement houblonnées ou peu houblonnées. Ça change beaucoup de choses. Et c'est un choix qu'on vous donne assez rarement à vous, consommateurs. Alors, ben, comme ça, profitez-en, éduquez-vous, apprenez, découvrez ce qui est à côté de chez vous. Les Maldives, c'est sympa, mais la Wallonie, c'est rigolo. C'est bon, c'est fait chez nous, ça vaut la peine d'être découvert. À demain, même heure, même endroit et tout, quoi. Hein? Partagez, 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 et n'oubliez pas nos concours.